Jusqu'à mon arrivée, la Guinée était appelée à Washington panier percé. Car ceux qui parlent aujourd'hui, qui ont trahi le président Conté, ont été incapables de terminer un seul programme avec le Fonds monétaire. Nous avons posé les bases du développement. Maintenant, nous allons nous attacher aux conditions sociales des Guinéens. C'est-à-dire améliorer le panier de la ménagère. Sur 10 Guinéens, 7 ont moins de 35 ans. C'est un pays jeune et nous sommes fiers de cette jeunesse. C'est pourquoi il ne s'agira pas seulement de créer des emplois, mais je m'engage devant vous, la jeunesse, que d'ici 2023, nous allons créer 100 000 jeunes entrepreneurs. Vous savez, dans ce pays, c'est un prince que c'est le mensonge qui peut faire gagner. J'ai voulu montrer à la jeunesse guinéenne que nous sommes en plein dans la quatrième révolution industrielle.
c'est pour toi, je laissais à ce Pitréa et je communiquais avec la population à l'intérieur du pays. Mais comme certains ne vivent que dans le mensonge, et lundi, il est malade, il est couché, il est malade, il est malade. Alors, la meilleure façon de montrer que quelqu'un qui vit dans le mensonge ne pourra jamais diriger un pays. C'est seulement samedi que j'ai dit aux gens de Télé-Corée, je viendrai demain. Samedi. Et vous avez vu la mobilisation de Télé-Corée. En 4 jours, j'ai fait Télé-Corée, Lola, Massanta, Guéguédougou, Kissidougou, Kankan, Sigiri, Farada, Mamou. Alors, je vous propose que les candidats qu'on marche tous demain, de Matoto jusqu'à Kalou. Parce qu'il y a des gens, même quand ils s'ouvrent, ils tombent. Alors, je suis malade. Je suis malade. Je suis malade, je suis malade. Donc, jeunesse, faites confiance. Hier, nous n'avons que la bauxite. Aujourd'hui, nous avons le mineur de fer de Nimba qui va commencer. C'est lui de Yogota qui va commencer. Mais le plus important, Simandou. Simandou. Avec un chemin de fer qui va partir de Kirouané, Daïla, Lekoué, Massanta, Guéguédougou, Kissidougou, Farana, Mamou. Son envol. Hier, on n'avait pas d'usine. Il y avait une seule usine de ciment. Aujourd'hui, on en a 16. On n'avait pas d'hôtel. Quand quelqu'un venait à nos hôtels, il prenait le son d'avion pour aller dormir à Dakar et revenir. Aujourd'hui, nous avons plus d'hôtels que Dakar. Que désormais l'heure est venue de s'occuper du social. Nous avons posé les bases de développement.